وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous avons fini le chapitre, le sous-chapitre du jeûne pour autrui, le fait de jeûner pour autrui. Nous allons entamer, inshallah, le jeûne surérogatoire et le jeûne interdit. Il faut savoir que le jeûne surérogatoire contient un grand bien et un grand mérite. De ce qu'il apporte comme énorme récompense à celui qui le fait, qui le met en pratique, et d'expiation des péchés et de multiplication des bonnes œuvres, de même que de raccommodement de ses manquements qui sont survenus dans les œuvres obligatoires. Allah Ta'ala a dit, dans le sens des versets dans Sourate Al-Baqarah, « Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est un bien pour lui. » Aussi, dans le hadith Al-Qudsi, Allah Ta'ala a dit, dans le hadith apporté par Al-Bukhari, « Il n'y a pas une œuvre plus aimée à moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, puis mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, etc. » jusqu'à la fin du hadith. Donc, les œuvres surérogatoires sont nécessaires. Car, comme il est venu dans le hadith sahih, que le jour du jugement dernier, la première chose parmi les œuvres et les actes sur lesquels le serviteur sera questionné sera la salat. S'il venait à en manquer quelque chose, alors il sera dit, regardez les œuvres sur les salat, les prières surérogatoires dont mon serviteur, pour combler le manque qu'il y a dans les obligations. Puis il sera dit, faites de même pour les autres obligations. C'est-à-dire la salat, la zakat, le jeûne. Donc celui ou celle qui s'en tient qu'aux obligations en croyant que cela va le sauver le jour du jugement dernier, en réalité, Shaitan l'a trompé. Car qui lui a assuré que toutes ses obligations sont faites d'une manière parfaite et qu'elles ont été acceptées par Allah? Qui lui a assuré qu'il n'aura pas besoin le jour du jugement dernier d'actes surérogatoires pour combler les manquements qu'il a eu dans les actes obligatoires? Donc subhanallah, on trouve que certains musulmans du commun, quand ils ne connaissent pas la différence entre l'obligation et les œuvres surérogatoires, parfois ils font mashallah beaucoup d'œuvres en pensant que c'est imposé. Quand ils apprennent que ce n'est pas obligatoire, ils les délaissent. Alors qu'en réalité, ils auraient dû s'y attacher pour pouvoir justement en tirer tous les bénéfices, que ce soit dans l'augmentation des récompenses, la purification de l'âme, et combler les manquements qu'il y a dans les obligations, et d'autres bénéfices énormes auprès d'Allah, qui est le plus grand, c'est de gagner l'amour d'Allah. Car Allah aime ceux qui mettent en pratique ces obligations, puis qui ne cessent de faire des œuvres surérogatoires, jusqu'à, comme il est venu dans le hadith, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, c'est en faisant les œuvres surérogatoires après avoir mis en pratique les œuvres obligatoires que l'on atteint et que l'on gagne l'amour d'Allah et qu'on atteint son degré, ce degré-là d'être un wali, un bien-aimé d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les bien-aimés d'Allah, ils n'ont nulle crainte et ils ne s'affligent point. Les bien-aimés d'Allah, ce sont tous les musulmans pieux. Tout musulman pieux qui a fait ses obligations et qui craint Allah, comme Allah Ta'ala a dit à la fin du verset, « Alladina amanu wa kanu yattaqun »
ceux qui ont cru et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala scrupuleusement. Aussi, vous connaissez le hadith authentique, le hadith Qudsi, où Allah ta'ala dit « Toute action du fils d'Adam sera multipliée de 10 à 700 fois. » Allah dit « Sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompenserai pour cela. Il abandonne ses désirs et sa nourriture pour moi. » Et ceci est une preuve par rapport à ce qu'on a dit aussi, le fait de l'écoulement du mani. Il abandonne ses désirs et sa nourriture. Et l'écoulement du mani, volontairement, est un désir. Donc, nous commençons par le mérite du jeûne de Arafah, Ashura et du lundi. Abu Qatada al-Ansari, radiallahu anhu, rapporte. On interrogea le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du jeûne du jour de Arafah. Il répondit, il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. On l'interrogea à propos du jeûne du jour de Ashura et il répondit, il expie les péchés de l'année passée. On l'interrogea à propos du jeûne du lundi et il répondit, c'est le jour où je suis né, où j'ai été suscité comme prophète, et où le Coran m'a été révélé. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, le lundi, tout le monde connaît. Arafah et Ashura. Arafah, c'est le 9e jour du mois Dhul-Hijjah, du mois lunaire Dhul-Hijjah. Et Dhul-Hijjah, c'est le dernier mois lunaire de l'année. Après, recommence l'année égyrienne par Muharram. Ashura, c'est le 10e jour du mois Muharram, du premier mois de l'année lunaire. Donc, on voit dans ce hadith que le jeûne du jour de Arafah est le meilleur jeûne surérogatoire et ceci a été rapporté par l'unanimité des musulmans, des savants. Le meilleur jeûne surérogatoire est celui de Arafah. Sauf, comme on va le voir, pour le pèlerin qui se trouve en ce jour à Arafah, alors ce qui est légiféré pour lui, c'est de ne pas jeûner, de se concentrer aux œuvres qu'il y a à faire pour le pèlerin le jour de Arafah. C'est-à-dire invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et insister dans l'invocation d'une manière sincère. Il y a aussi dans ce hadith la recommandation de jeûner le jour de Ashura, comme on a dit, qui est le 10e jour du mois de Muharram, car il expie les péchés de l'année passée. Et le jeûne de ce jour-là est moindre par rapport au jeûne du jour de Arafah. Car celui du jeûne de Arafah, il expie l'année passée et l'année à venir. Donc, cela montre la différence de mérite entre ces deux jours de jeûne. Bien sûr, le jeûne de ces jours-là n'est pas obligatoire, mais recommandé. Sauf Ashura, il était obligatoire au début de l'islam, c'est-à-dire au début de l'arrivée plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Puis, il est resté légiféré, mais surérogatoire et non obligatoire. De même qu'il est recommandé d'ajouter un jour au jour de jeûne de Ashura pour se différencier des juifs qui jeûnaient ce jour-là. Et ce qui est recommandé, c'est de jeûner le 9e jour du mois de Muharram ainsi que le 10e. La personne qui n'a pas pu jeûner le 9e jour pourra jeûner le 10e et le 11e. Mais si il venait à jeûner un seul jour, ce serait valable, mais le mieux, c'est de jeûner le 9e et le 10e jour de Muharram. C'est-à-dire un jour avant Ashura et le jour de Ashura. Le jeûne du jour de Ashura, il n'est pas lié à la mort ou à la vie de quiconque. Mais il est lié au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré cela, tout simplement. Donc les rafidahs qui jeûnent ce jour-là, qui font la fête ce jour-là, ils fêtent la mort de l'Hussein, ils pleurent, ils se tapent, ils se flagellent. Ça, ça n'existe pas. C'est une innovation en islam. Sans compter le shirk qu'ils font, ils invoquent l'Hussein en dehors d'Allah. Allahu musta'an. De même, la majorité des savants considèrent que les péchés qui sont pardonnés avec le jeûne de Arafah et de Ashura sont les péchés mineurs et non les péchés majeurs. Car la salat, les 5 salats ont plus de valeur que ces jours-là, les 5 salats obligatoires. Et pourtant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières et l'accomplissement de la prière d'un vendredi sur l'autre
est une expiation des péchés commis dans l'intervalle tant qu'on évite les péchés majeurs. Donc si la salat, qui est plus importante que cela, n'expie pas les péchés majeurs, alors en priorité, min babi aula, il est plus à même de dire que ces jours-là, jeûner, n'expie pas les péchés majeurs, mais seulement les mineurs. Il faudra absolument exprimer un repentir sincère pour pouvoir se faire pardonner ses péchés majeurs. On voit dans ce hadith aussi qu'il est recommandé de jeûner le lundi, chaque lundi. C'est un moyen d'être reconnaissant envers Allah. C'est le jour où il a fait naître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il l'a envoyé comme prophète et le jour où il a reçu la révélation du Coran. De même qu'il est recommandé d'y rajouter le jeudi. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Tirmidhi, les œuvres sont présentées chaque lundi et jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne. Donc maintenant, nous allons parler de l'incitation à jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le 10e mois des mois égyriens, celui qui succède au mois de Ramadan. Le premier jour du mois de Shawwal, c'est le jour de Eid al-Fitr, le jour de la fête de la rupture du jeûne. Donc Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim et c'est un hadith authentique. On voit dans ce hadith la recommandation de jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Peu importe ces jours. Une personne qui jeûne 6 jours pendant Shawwal, même s'ils sont séparés, dispersés, suivis à la fin du mois, au milieu du mois, sauf bien sûr le jour de l'Aïd, c'est interdit de jeûner, alors il aura gagné la récompense d'avoir jeûné les 6 jours du mois de Shawwal. Il faut savoir que celui qui jeûne le mois de Ramadan, comme il est venu dans d'autres variantes de ce hadith, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Et celui qui jeûne les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné 2 mois. Car la hasana, la bonne action, est multipliée par 10, ce qui équivaut à jeûner toute l'année. De cette manière, la personne, elle arrive à gagner la récompense de celui qui a jeûné toute l'année sans trop de difficultés. Walhamdulillah. Ceci est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont recommandé que le jeûne des 6 jours de Shawwal soit accompli directement après le jour de l'Aïd et d'une manière suivie. C'est-à-dire 6 jours d'affilée juste après l'Aïd. Ceci est préférable. Et ceci compte tenu des éléments généraux qui encouragent à se dépêcher de faire les bonnes actions. L'empressement à l'accomplissement du bien est demandé en islam. Cet empressement-là, c'est un signe du désir ardent du musulman à jeûner et de son amour de cet acte d'obéissance, car il est pressé de le faire. Juste après l'Aïd, il recommence tout de suite. Et cela prouve l'absence de lassitude. Cela prouve qu'il ne s'est pas lassé et usé du fait d'avoir jeûné le mois de Ramadan, car il le fait suivre justement par quoi ? Les jours de Shawwal. Et ceci est semblable aux prières rawatib, les prières surérogatoires attachées aux prières obligatoires. Vous savez bien que les prières obligatoires, la plupart d'entre elles ont des prières surérogatoires liées à elles. Celles qu'on fait avant et celles qu'on fait après. Parmi les sagesses de celles qu'on fait avant, c'est de se préparer pour l'obligation et de combler les manquements qui peuvent venir, donc qui pourraient être venus dans l'obligation. Et celles qui font après, c'est parmi les sagesses, c'est de faire suivre une adoration par une autre adoration et de montrer qu'on n'est pas lassé d'obéir à Allah, mais on est toujours désireux de lui obéir et de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Et cela vient combler les manquements qu'on ait pu avoir dans les obligations. De même pour les 6 jours, le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal. Concernant la personne qui a des jours de mois de Ramadan, du mois de Ramadan à rattraper, est-ce qu'il lui sera permis de jeûner les 6 jours de Shawwal avant de rattraper les jours de Ramadan ?
Et si cela lui est permis, est-ce qu'en les jeûnant, avant de rattraper ses jours de Ramadan, il gagnera la récompense citée dans le hadith, que cela fasse comme s'il avait jeûné toute l'année, ou bien il lui sera permis de jeûner, mais il ne gagnera pas cette récompense tant qu'il n'a pas d'abord complété Ramadan pour finir les six jours de Shawwal. C'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Certains considèrent qu'il n'est pas permis de jeûner des jeûnes surérogatoires avant d'avoir accompli les obligations. Mais au vu des textes et des hadiths cités en cela, au vu de Aïcha radiallahu anha qui retardait son jeûne, de son rattrapage du mois de Ramadan jusqu'à Sha'ban du mois d'après, vu qu'elle était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans aucun doute Aïcha radiallahu anha ne va pas rater des jours de jeûne comme Arafa, Ashura et les six jours de Shawwal, elle ne va pas délaisser ce genre, cette grande vertu. Donc au vu de tout cela, on dira inchallah qu'il n'est pas interdit de jeûner les jours de Shawwal, même si les jours de Ramadan ne sont pas rattrapés. Aussi, il y a une règle qui dit que si une obligation, elle a un temps large pour l'accomplir, il est permis de devancer des œuvres surérogatoires qui ont un temps restreint pour être accomplies. Un exemple à cela, quand l'adhan de l'asr il est fait, ou de dhuhr, l'heure de dhuhr est entrée, n'est-ce pas? Mais pourtant, on fait des prières surérogatoires avant le dhuhr, avant l'asr. On pourrait se dire non, puisque l'heure est entrée, l'obligatoire est prioritaire, n'est-ce pas? Mais le temps de ces sunnas que l'on fait est restreint. On peut les faire qu'entre l'adhan et l'obligation. Si on ne le fait pas ici, son temps est passé. On peut les rattraper. Après, c'est une autre question, est-ce qu'on peut les rattraper ou non? Mais son temps, à la base, est là. Donc, il est légiféré de faire ses prières surérogatoires ici, avant de faire la prière obligatoire. Car son temps est restreint. Alors que la prière de l'ordre de Dhuhr, son temps est large. Il est jusqu'à l'asr, n'est-ce pas? Donc, cela ne nuit pas de retarder 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pour faire les prières surérogatoires, pour pouvoir, après cela, faire la prière obligatoire de Dhuhr. De même, les 6 jours du jeûne du mois de Shawwal, une fois que le mois de Shawwal est passé, la personne ne peut plus les accomplir. Il n'a qu'un mois pour les accomplir, alors qu'il a 11 mois pour pouvoir rattraper ses jours de jeûne de Ramadan. Donc, cette obligation de rattraper les jours de jeûne est large dans son temps, 11 mois. Et il a été rapporté de manière authentique que Aïcha radiallahu anha profitait de la largesse de ce temps-là pour s'adonner à d'autres obligations, comme le service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'être apprêté pour lui à chaque moment, et comme le fait aussi de pouvoir peut-être faire d'autres jeûnes surérogatoires comme Shawwal, Arafa et Ashura et d'autres. Non. Car sans aucun doute, elle n'a pas besoin de s'apprêter les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne Arafa, elle peut jeûner avec lui. Elle n'a pas besoin d'être prête pour son mari s'il a besoin d'elle, n'est-ce pas? Donc tout cela, Inch'Allah, montre qu'il n'y a pas de mal en cela. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que malgré la permission, le fait de devancer les jeûnes surérogatoires, au fait de rattraper les jours de Ramadan, est-ce que la personne en gagne la récompense? Car il n'aura pas complété les 30 jours de Ramadan pour y rajouter les 6 jours de Shawwal. Alors en cela, il y a deux avis. Comme certains disent qu'il lui est permis de jeûner, mais il n'en gagne pas la récompense tant qu'il n'aura pas fini les jours de Ramadan. Et certains disent que ce qui est voulu, c'est de faire le nombre de jours, peu importe que l'un ait devancé à l'autre. Si au bout du compte, il a fait ses 36 jours, 30 jours d'obligation plus les 6 jours de Shawwal, même si les quelques jours d'obligation sont rattrapés plus tard, cela ne nuit pas. Le hadith sera mis en pratique, c'est qu'il aura fait 30 jours de Ramadan et 6 jours de Shawwal. Justement, le détail de l'explication du hadith vient renforcer cet avis-là. Pourquoi? Car l'explication dit que la hasana est multipliée par 10. Donc que les jours de Ramadan soient devancés ou qu'ils soient retardés, les jours sont multipliés par 10 et l'explication, la cause du fait que cette vertu est égale au jeûne de toute l'année est expliquée clairement dans le hadith. Donc on dira wallahu a'lam qu'il est permis de faire les 6 jours de Shawwal avant de rattraper ces jours de Ramadan et que inchallah les personnes qui font cela et qui rattrapent les jours de Ramadan en temps et en heure,
obtiendront la récompense complète bi'idhnillah de cette vertu et de ce hadith. Par contre, si une personne connaît d'elle-même que s'il ne se dépêche pas de rattraper les jours de Ramadan, il risque de ne pas les rattraper jusqu'au Ramadan prochain. Celui-là, il lui est interdit de jeûner des jeûnes surrogatoires avant de jeûner le jeûne obligatoire. Non. Je vais répondre juste à des questions qui sont liées au hadith précédent. Peut-on jeûner le lundi et le jeudi avec l'intention que ce soit les jours de Shawwal et mettre les deux intentions? Oui, c'est permis. Et Inch'Allah, Allah donnera la récompense selon les deux intentions. Peut-on faire les jeûnes surérogatoires en même temps que les obligations? Par exemple, le jeûne de Daoud plus les jours blancs plus lundi et jeudi. Il n'y a aucune obligation dans tout ça. Si on a des jours à rattraper dans le Ramadan, on peut exprès choisir par exemple le lundi et le jeudi ou bien des jours méritoires pour pouvoir en gagner la double récompense. La récompense de rattraper le jour de jeûne plus avoir lundi choisi le lundi ou le jeudi car ce sont des jours qui sont préférables. Par contre, on ne peut pas lier entre le jeûne, le rattrapage de Ramadan et les jours de Shawwal. Car ce qui est voulu, c'est de jeûner 36 jours en tout. 30 obligatoires et 6 jours surérogatoires. Et en faisant cela, on ne le fait pas, on ne le met pas en pratique. Wallahu a'lam. Y a-t-il un mal si j'ai l'habitude de jeûner le 9, 10 et 11 de Muharram? Les hadiths qui parlent du fait de jeûner les 3 jours sont faibles. Ce qui est authentique, c'est le choix entre le 9 et le 10 et le 10 et le 11. Mais si quelqu'un veut jeûner, il n'y a pas de mal, car c'est un mois où c'est une bonne chose de jeûner. S'il veut le jeûner, il peut, inchallah. Comment comprendre entre le meilleur jeûne, que c'est le jeûne de Daoud, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du fait de jeûner le lundi et le jeudi et les jours blancs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait même plus que cela. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait même le wissal, il liait entre plusieurs jours. Donc il y a une différence entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage sa communauté de faire et ce qu'il fait lui-même. Il a encouragé à plusieurs actes. Il est clair que dans ceux qu'il a encouragés, il y a plusieurs degrés. Le meilleur est le jeûne de Daoud, le suit le jeûne du lundi et du jeudi, et le suit le 3 jours par mois. Il n'y a pas de contradiction entre tout cela, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un jeûne qui permet d'expier les grands péchés? La seule chose qui est la cause d'expier les grands péchés, c'est le taouba, le repentir. Et à divergence entre les savants sur le hajj, et la hijra et l'islam. C'est-à-dire que le hajj et la hijra et l'islam, ça expie tous les péchés, mais à condition que le repentir soit lié avec, que la personne se repentisse. D'autres disent que les actes suffisent seuls. Quoi qu'il en soit, il n'y a que le repentir, en général, il n'y a que le repentir pour expier les grands péchés. Le repentir, c'est le regret sincère d'avoir commis ce péché, le fait d'arrêter sur le champ de le commettre, et de mettre l'intention ferme de ne plus jamais y retourner. Et s'il y a un droit, le droit d'un être humain qui est une personne lésée, la quatrième condition, c'est de réparer le mal qu'on a fait ou de demander le pardon à la personne qu'on a lésée. Et que ce soit fait dans un moment où le repentir est acceptable, c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève de son coucher ou avant les affres de la mort, et que ce soit fait sincèrement pour Allah. Tayyib. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun serviteur n'accomplit un jour de jeûne en combattant sur le sentier d'Allah sans que par ce jour Allah n'éloigne son visage du feu de l'enfer de 70 longues années. Ce hadith, il est sahih, rapporté par le Bukhari et Muslim, et ça c'est la version de Muslim. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui n'a accompli un jour de jeûne fi sabilillah. Il n'est pas cité explicitement le combat. Et il est dit clairement que quand le mot fi sabilillah il est donné sans restriction et sans détail, alors, comme les savants le disent, que ce soit dans le Coran et la Sunna, cela parle du djihad, du combat. Non. Bien sûr, du combat légiféré en islam. C'est pas toute personne, elle appelle quelque chose djihad, ça s'appelle un djihad auprès d'Allah. Si demain un porc, il le nomme mouton, est-ce que ce sera halal parce qu'il l'a appelé mouton? Hein? Si demain quelqu'un, il prend une bouteille d'alcool, il l'appelle jus d'orange, est-ce que ce sera halal parce qu'elle s'appelle jus d'orange? Donc c'est pas parce que des gens, ils ont appelé le crime et le terrorisme et l'explosion de tout le monde djihad que c'est un djihad. Il suffit pas de donner un nom à une chose pour que ce soit sa réalité en islam.
Pour qu'une chose s'appelle, pour qu'un le djihad s'appelle djihad, il faut qu'il comporte les conditions du djihad shar'i, légiféré en islam. Wadih. Sinon, ça s'appelle pas un djihad. Ou ça s'appelle un djihad, oui, dans le sentier de shaitan et non pas dans le sentier d'Allah. Le djihad dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah, c'est règlement, c'est légiféré, c'est une des meilleures œuvres en islam. Mais il y a des conditions et des règles à respecter pour que ce soit une des meilleures œuvres en islam. Non. Et ça, il n'y a, alhamdulillah, aucune communauté dans le monde qui renie cela. Tout le monde sait que s'il y a une guerre réglementée, légiférée pour défendre des opprimés ou repousser un mal, c'est un bien. Personne dans le monde dit que c'est un mal. Même un kafir, il sait très bien que c'est un bien. Non. On voit dans ce hadith que le jeûne compte parmi les adorations qui éprouvent le corps. Et que le djihad compte parmi les adorations difficiles liées au bien et au corps. Ainsi, celui qui a la force de les accomplir conjointement sera parvenu au sommet de la dépense de ses capacités dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et aura donné priorité à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son propre repos. Donc sa rétribution est à la mesure de la difficulté éprouvée et elle consiste à ce qu'il soit éloigné de l'enfer et de son châtiment d'une distance de 70 longues années. Walhamdulillah. Et on voit dans cela le mérite du djihad fi sabilillah, réglementé et légiféré. Et son rang en islam est connu car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et le sommet de l'islam est le djihad sur le sentier d'Allah ». Le jeûne lors du djihad sur le sentier d'Allah est conditionné par le fait qu'il n'affaiblisse pas le corps pour le combat. Et si c'est le cas, alors il est recommandé de le délaisser et parfois même obligatoire. Comme on a vu dans le hadith précédent, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la victoire de la Mecque, il a bu après l'Asr et il a ordonné de rompre le jeûne. Et là, il était obligatoire de rompre le jeûne à ce moment-là. Car il faut savoir que le jeûne est une adoration, comme on a dit, individuelle. Et le combat au service d'Allah est une adoration dont les effets sont sur toute la communauté et l'intérêt commun et général est prépondérant et prioritaire sur l'intérêt individuel. Non. Il y a un frère qui m'a posé une question. Quand on dit c'est détestable de jeûner le jour de Ashura seul, est-ce que ça reste quand même une bonne action? En fait, je me suis mal exprimé. On ne peut pas dire c'est détestable. C'est contradictoire à ce qui est préférable, plutôt dans ce sens-là. Non, wallahu a'lam. Donc le hadith maintenant, il parle du mérite de jeûner le mois de Sha'ban. Aïcha radiallahu anha rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait si souvent que nous pensions qu'il ne rompait pas le jeûne et rompait le jeûne si longtemps que nous pensions qu'il ne jeûnait pas. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet, sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus souvent qu'au cours du mois de Sha'ban. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, on voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban, et c'est pour cela qu'il a été rapporté, et on va parler un petit peu, inshallah, des détails sur cela. Le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel nous sommes actuellement, et c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, c'est le 8e mois de l'année hégirienne. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enchaînait parfois plusieurs jours de jeûne, et tellement il les enchaînait que Aïcha radhiyallahu anha disait, au point où on pensait qu'il ne rompait pas le jeûne, qu'il ne faisait que jeûner. De même que parfois il enchaînait plusieurs jours de rupture de jeûne, au point que l'on pensait qu'il n'a pas jeûné, qu'il ne jeûnait pas du tout tous ces jours-là. Non. De même que Aïcha radhiyallahu anha rapporte qu'elle ne l'a jamais vu compléter un mois en entier de jeûne, sauf le mois de Ramadan. Tous les autres mois, il a délaissé certains jours
dedans de jeûne, plus ou moins selon les mois. Le motif dans l'enchaînement de plusieurs jours de jeûne ou de rupture est que, sallallahu alayhi wa sallam, il considérait l'intérêt en cela. Ainsi, lorsque survenaient des jours où il était moins occupé, il jeûnait. Alors que lorsque son temps était compté en raison du fait qu'il se mettait au service des musulmans, il préférait rompre et se consacrer à ses tâches plutôt qu'au jeûne. Donc il devançait la chose dans laquelle il y avait plus de récompense et plus d'intérêt, et il considérait que quand il était au service des musulmans et qu'il avait besoin de toutes ses forces pour être à leur service, c'était prioritaire sur le fait qu'il jeûne. Quant au mois de Sha'ban, comme on a vu dans ce hadith, il y multipliait les jours de jeûne. Et cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Usama ibn Zayd que le mois de Sha'ban est un mois qui est oublié par les gens, qui est entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois dans lequel les œuvres sont présentées à Allah. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et j'aime que mes œuvres soient présentées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Donc il avait, le mois de Sha'ban a une grande vertu en cela. Et il vient aussi dans le sens qu'on a précisé tout à l'heure pour les six jours de Shawwal, se préparer, enfin dans le sens, c'est-à-dire inverse, avant l'obligation, les rawatib avant l'obligation, de se préparer pour le mois de Ramadan et d'utiliser ce mois-ci pour rentrer dans l'ambiance du jeûne et de la personne qui vient comme pour la salat, qui est dans son commerce, qui court partout, d'un coup il vient dans l'iqama, Allahu Akbar, directement. Qu'est-ce qui se passe pendant sa salat? Hein? Alors que celui qui vient avant l'adhan, il entend l'adhan, il fait des prières surrogatoires, il se concentre, après il rentre dans l'obligation. Comment il est? Voilà pour le jeûne de Ramadan. La personne qui s'est préparée avec le jeûne de Sha'ban, qui a attendu Ramadan en jeûnant, en se préparant, et qui après rentre dans Ramadan, n'est pas comme celui qui arrive en plein Ramadan, il commence directement le jeûne, il n'a rien fait avant, ni rien après, Allahu A'lam. Donc c'est une occasion de s'exercer et de bien se préparer pour le mois de Ramadan. Donc il y a plusieurs intérêts et plusieurs sagesses dans le fait de jeûner le mois de Sha'ban. Déjà, c'est un mois qui est oublié par les gens, et jeûner dans un moment oublié par les gens, ça a beaucoup de vertus, car c'est un moment qui est plus dur. Quand quelqu'un évoque Allah dans les endroits ou dans les moments où les gens oublient Allah, il y a plus de récompenses. Comme la personne qui fait la dua quand il rentre au souk, combien de hasanat il gagne? Parce que c'est un moment ou un endroit où beaucoup de gens oublient Allah, n'est-ce pas? De même que quand on adore Allah dans les moments ou dans les périodes ou dans les endroits dans lesquels Allah est oublié, subhanahu wa ta'ala, alors c'est plus dur sur l'âme bestiale. Et une adoration dans laquelle il y a une plus grande difficulté, il y a une plus grande récompense à condition que cette adoration soit sur la sunna. À condition que cette adoration soit sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc voilà toutes les vertus et toutes les causes pour lesquels il est légiféré de jeûner le mois de Sha'ban. Après, on va parler de... le hadith va venir, c'est pour ça que j'en parle pas maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après la moitié de Sha'ban? J'en parlerai quand le hadith viendra, inshallah. On voit aussi dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc donnait une grande importance à choisir les moments où il jeûnait, à des moments propices. Et quand il avait besoin de rompre le jeûne pour pouvoir faire d'autres œuvres, il devançait ses autres œuvres. Comme ça aussi doit être le musulman. Par exemple, un musulman qui sait que certains jours, on a besoin, la Oumma a besoin de lui pour certaines œuvres ou qui demande un certain effort physique. Et lui, il vient, il jeûne, il regarde tout le monde, il est assis. Est-ce que c'est bien? Ou le mieux pour lui, ça aurait été de rompre le jeûne et de venir travailler avec ses frères à la mosquée ou construire une mosquée ou je ne sais faire quoi. Et il jeûnera un autre jour où il n'y a pas besoin de lui pour la communauté. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait les choses. Donc même dans les bonnes œuvres, quand on dit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens s'attachent que, par exemple, à une compréhension propre à lui.
Ah, c'est le lundi et le jeudi, regarde pas autre chose. Ah, c'est lundi et jeudi. La terre, elle s'écroule, il y a des choses à faire, c'est lundi et jeudi, se pose pas de questions. C'est bien d'être ferme. Mais en islam, s'il y a un intérêt plus grand chez Allah, on ne parle pas de dans le dunya, chez Allah, et une plus grande récompense chez Allah, que tu rompes ton jeûne et que tu sois avec tes frères pour un acte qu'Allah aime, dans ce cas, il faut avoir le fiqh, la compréhension de devancer cette œuvre-là au fait de jeûner. Et ça, ça montre que le musulman, il est organisé et qu'il sait gérer son temps. Et c'est ce à quoi encourage la législation islamique. Les règles religieuses, elles ne t'encouragent pas à être désordonné, à faire tout au feeling, comme ça, comme ils disent, au feeling. Non, elles encouragent à être organisé, à organiser son temps. Même ses adorations, on les organise. Les organiser, ça ne veut pas dire en groupe, etc. Hein. S'organise, chacun se fait son propre organisation. Oui, parce qu'après, ils vont dire que chacun va comprendre ce qu'il veut. De même, le musulman, il doit diriger son âme et entraîner son âme à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que son âme bestiale soit accoutumée et habituée et entraînée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle devienne apaisée par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'auparavant, cette obéissance et cette adoration étaient lourdes pour elle. Donc, on a beaucoup d'adorations, on les trouve lourdes quand on n'est pas habitué à ce type d'adoration. Mais par contre, quand on s'entraîne souvent à la faire, alors cela devient quelque chose d'habituel. Et c'est comme ça que les choses, elles s'installent dans la vie du musulman. Hein? Il faut qu'il s'efforce, il faut qu'il fasse un effort. La motivation et le goût dans l'adoration, ça ne vient pas du jour au lendemain. Peut-être au début, quand quelqu'un vient de faire le repentir, quand quelqu'un vient de rentrer en islam, il a un goût sucré, un bon goût de la foi, il a envie de tout faire. Après, d'un coup, il ne retrouve plus trop ce goût. Il trouve de la lourdeur dans les actes et il trouve qu'il doit se forcer à faire certaines œuvres. Hein? Au début, oui, c'est un cadeau d'Allah, mais après, il faut s'efforcer à l'atteindre, à trouver la douceur de la foi, à entraîner et éduquer son âme pour qu'elle soit apaisée dans l'adoration d'Allah. Et ça, ça demande de la constance et un combat de son âme bestiale jusqu'à ce qu'elle devienne apaisée et qu'elle prenne du plaisir et de la douceur à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner 3 jours dans le mois, le 13e, le 14e et le 15e. Bien sûr, ce n'est pas un ordre formel, mais une recommandation. Ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi et il est sahih, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa Al-Ghalil. De même qu'il a été rapporté d'une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le jeûne de 3 jours par mois, qu'il soit citadin ou voyageur. Donc on voit dans ce hadith la recommandation de jeûner 3 jours de chaque mois lunaire. Qu'on jeûne n'importe quel jour dans le mois, ça rentre dans le hadith. Mais il est préférable que ce soit les jours qui ont été cités. Le 13e, le 14e et le 15e jour du mois lunaire. Comme on appelle ça les jours blancs. Pourquoi on appelle ça les jours blancs? Car ce sont les jours où la lune, les nuits, où la lune est à son plein quartier. Voilà pourquoi ils sont appelés les jours blancs. Et le fait de jeûner ces 3 jours-là, c'est comme si on avait jeûné aussi l'année entière, car la hasana est multipliée par 10, 3 fois 10, ça fait 30, chaque mois 30, ça fait comme s'il avait jeûné tout le mois, toute l'année. Walhamdulillah, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une année, en pratiquant tous les jeûnes obligatoires et surérogatoires, dans une année, combien d'années de jeûne on accumule? Allahu Akbar. Hein? Ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est nous qui sommes avares avec nos propres personnes. De même qu'il est, on a la permission de jeûner n'importe quel jour du mois en raison de ce que rapporte Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours chaque mois sans se soucier que cela soit en début, au milieu ou à la fin du mois. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc cela montre bien que peu importe quand tombent ces jours-là, mais il est préférable de les faire les 3 jours précités, le 13, 14 et 15e jour lunaire. Et aussi, il est recommandé de jeûner les 3 jours, donc de pleine lune, comme on a dit, et c'est l'avis majoritaire des savants. Il a été rapporté, l'Ouazir rapporte l'Ijma' que
ces 3 jours sont les jours préférables du jeûne. Il y a des mérites en cela par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains mérites aussi médicaux et comportementaux ont été cités à cela, que les savants en ont déduit. Alhamdulillah. Une personne demande, elles sont présentées à Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une bid'a de demander comment les actions sont présentées à Allah? Oui. On ne demande pas le comment des choses invisibles. Elles sont présentées à Allah, tout simplement. Comment? Allah seul sait. Ils lui sont présentés. Quand on dit comment, si on veut savoir comment, c'est-à-dire en détail ou en général, les savants en ont parlé de ça. Mais par contre, comment, la vraie manière, Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous est pas demandé de savoir. Ou même de questionner sur cela. Comme on sait dans les hadiths, les actions sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi. Elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala une fois par an. Donc on voit que les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois. Plusieurs fois. Certains savants ont dit qu'ils sont présentés d'abord en détail, puis en général, ou le contraire, comme a dit Sindi dans son sharh de Sahih, dans son sharh de Sunan al-Nasa'i. Wallahu a'lam. On en a parlé hier. Comment agir avec quelqu'un qui nous appelle à manger alors qu'on fait un jeûne surrogatoire? Si on a peur de le blesser, si on répond pas à son appel, on mange. Sinon, si on pense qu'il ne sera pas blessé, on lui dit qu'on jeûne et on invoque Allah pour lui. Les 3 jours par mois, ils ne sont pas obligés d'être consécutifs. Ils peuvent être consécutifs comme séparés. Si on jeûne 1 jour sur 2, sommes-nous tenus de jeûner les 3 jours blancs? On n'est pas tenus, mais on peut le faire. On peut le faire. On n'aura qu'un jour à rajouter. Une semaine, on peut rajouter 2 jours peut-être, non? Oui. Dans ce hadith, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, où il dit que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à la femme de jeûner lorsque son époux est présent, qu'avec sa permission. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Abu Daoud rajouta, en dehors du mois de Ramadan. Autre que le mois de Ramadan. On voit que les droits du mari sur son épouse sont des droits qui sont très grands. Ceci en raison de l'obligation qui lui est faite à l'épouse de lui obéir, d'obéir à son mari. En se conformant à ses ordres dans le bien, en répondant favorablement à ses demandes équitables et ses désirs qui lui est possible d'exaucer, selon, bien sûr, sa capacité. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, lorsque la femme se marie, son époux a plus de droits sur elle que son père. Et elle est plus en devoir de lui obéir qu'à son père, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son époux. Ça, c'est la parole du Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, il n'est pas permis à l'épouse d'accomplir un jeûne surérogatoire en présence de son mari qu'avec sa permission et son accord. Mais s'il n'est pas là, il est en voyage, il est loin, elle peut jeûner et n'a pas besoin de sa permission. Puisque dans ce cas-là, son jeûne ne lui fera aucun mal au mari, aucun préjudice et ne lui fait perdre aucun de ses droits. Quant au jeûne obligatoire, comme celui de Ramadan, qu'il s'agisse de l'accomplissement en son temps ou de sa compensation, il est prioritaire sur l'obéissance due au mari. Car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et il lui est obligatoire de l'accomplir, donc à la femme. Mais si l'époux le réprouve, si l'époux réprouve qu'elle jeûne certains jours de rattrapage et qu'elle peut les rattraper un autre jour, alors elle pourra les retarder s'il lui reste le temps. Le seul moment où elle ne lui obéira pas, c'est
si elle a peur de ne pas avoir assez de temps ou la capacité de pouvoir rattraper ses jours de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain. Dans ce cas-là, elle jeûnera. Non. Si la femme a accompli un jeûne surrogatoire sans la permission de son mari, son jeûne est valide, mais elle aura un péché, car elle n'aura pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a ordonné de demander la permission de son mari s'il est présent. Et ceci montre que l'époux et l'épouse doivent avoir des bonnes relations et doivent vivre ensemble dans une bonne entente et agir de la meilleure façon afin que les relations entre eux soient toujours bonnes et durables. Si l'épouse, elle ne fait aucun effort de son côté, et l'époux, il ne fait aucun effort de son côté, il est clair que cette relation va s'effriter. Si la femme sait que son époux lui donne la permission de jeûner, même s'il ne l'a pas formulée clairement, mais il lui a donné une permission générale, alors elle pourra prendre cette permission, même si c'est par sous-entendu et non directement dit. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a interdit le jeûne de 2 jours, le jour de la célébration de la rupture du jeûne et le jour de la célébration du sacrifice. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah. Donc on voit dans ce hadith que les fêtes et les célébrations de la rupture du jeûne et du sacrifice sont des jours de fête et de célébration pour les musulmans en lesquels ils doivent afficher de la joie, du bonheur et de l'allégresse. Ce sont 2 jours de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour leur avoir permis de jeûner le mois de Ramadan et d'avoir accompli les rites du pèlerinage et le sacrifice. Donc ce sont des jours de joie pour les musulmans pendant lesquels ils profitent de ce qui est permis et bon des largesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la sagesse de l'interdiction de jeûner en ces jours est de se distinguer ou bien de distinguer le mois de jeûne du mois de la rupture lors de la célébration de la rupture du jeûne. Et de jouir de la consommation du sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de consommer dans sa parole, puis lorsqu'il gise sur le flanc, mangez-en. Et le jeûne marque une aversion pour ces choses-là. Donc la personne, il lui est interdit de jeûner les 2 jours de fête, car Allah subhanahu wa ta'ala, pour toutes ces raisons-là, pour différencier entre le mois du jeûne obligatoire et le mois de Shawwal, pour que ce soit un jour de joie et un jour où on profite des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et on met en pratique le fait de sacrifier la bête et d'en manger, pour tous ces intérêts-là et d'autres. Et le premier intérêt est de mettre en pratique l'ordre ou bien de s'éloigner de l'interdit du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi il est interdit de jeûner les 2 jours de fête. Le jeûne de ces 2 jours est donc contradictoire et contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a permis en ces jours-là. Le jeûne des 2 jours de la fête sont illicites à l'unanimité des savants. Et si quelqu'un le jeûne, il n'est pas valide. Il n'est pas considéré comme un jeûne légal, donc il n'est pas valide. D'ailleurs, même la personne qui a 2 mois d'expiation de jeûne à faire, si pendant ces 2 mois tombe le jour de la fête du sacrifice, alors il ne jeûnera pas ce jour-là, il reprendra après les jours d'interdiction de jeûner, et cela ne cassera pas le fait que les jours de jeûne soient consécutifs, car il n'a pas jeûné pour une raison légiférée, c'est l'interdiction de se jeûner ces jours-là. Même les jours de vœux, les jours de rattrapage, même un jeûne obligatoire ne doit pas être jeûné ce jour-là, il ne sera pas valide. Et les jours de la célébration, ils ne peuvent être, bien sûr, comme pour l'entrée et la fin du mois, ils ne peuvent être désignés que selon les moyens légiférés, c'est-à-dire la vision du croissant de lune. Ah. Donc pour Shawwal, c'est la vision du croissant. Et pour
Eid al-Adha, c'est la vision du croissant de lune du début de Dhul-Hijjah, pour pouvoir après dire que le dixième jour, c'est le jour de l'Eid. L'interdiction de jeûner les jours de Tashriq. Quels sont les jours de Tashriq, Ayyam al-Tashriq? Le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul-Hijjah. C'est-à-dire un jour après l'Eid al-Adha, deux jours et trois jours après l'Eid al-Adha. Donc, Nubaysha al-Hudali, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les jours de Tashriq sont des jours où l'on mange, boit et mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est sahih, rapporté par l'imam Muslim. Et Aïcha et Abdullah ibn Omar radiallahu anhum rapportent: il n'a été permis de jeûner durant les jours de Tashriq qu'à celui qui n'a pas trouvé de sacrifice à faire, rapporté par le Bukhari. Il parle de quel sacrifice là? El Hadi. Est-ce que tous les pèlerins ils font un sacrifice? Celui qui est en tamattu, qui fait une umra et un hajj, parmi lesquels il y a entre les deux une situation de tahallul akbar, où il se désacralise complètement. Donc ça nécessite de sacrifier un mouton, ou plus, ou des chameaux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié les chameaux. Donc celui qui n'a pas les moyens, Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui ne trouve pas de mouton à sacrifier, ou de bête parmi les bovins, les ovins et les camélidés à sacrifier, dans ce cas-là, alors il lui sera obligatoire de jeûner 3 jours pendant le hajj et 7 jours quand il retournera chez lui. Et là, on va le voir donc dans ce hadith. Donc les 3 jours de Tashriq sont les 11e, 12e et 13e jours du mois de Dhul-Hijjah. Ce sont des jours où l'on mange, boit et on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des jours de joie qui font suite au jour de la célébration du sacrifice, où l'on consomme la viande des bêtes sacrifiées et tout ce qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont également des jours de mention d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison du fait qu'il est légiféré d'y glorifier son nom, et ce sont des jours déterminés à propos desquels Allah ta'ala a dit: mentionnez Allah pendant un nombre de jours déterminés, dans sourate al-Baqarah verset 203. Donc on a nommé cela les jours de At-Tashriq, car les gens exposent Ishraq, la viande, au soleil, afin qu'elle sèche et qu'ils puissent la conserver sur plusieurs jours. Voilà comme pourquoi ils sont appelés Ayyam At-Tashriq. Donc en raison de ces motifs religieux et du renforcement en vue de les accomplir, mais également en raison du fait que les musulmans se trouvent en des jours qui font suite à la joie de la célébration, et que la consommation de nourriture les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le sacrifice, aussi le fait qu'ils soient les invités du miséricordieux subhanahu wa ta'ala, pour toutes ces raisons, mais aussi pour se conformer, et avant tout pour se conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner les jours de Tashriq, les 3 jours après le jour de l'Eid. Ainsi, selon l'avis le plus juste, le jeûne n'y est pas valide. Certains savants voient que c'est seulement détestable et non interdit. Et le plus juste, c'est que c'est interdit. Qu'il s'agisse d'un jeûne obligatoire, surérogatoire, d'un vœu pieux ou autre, celui qui accomplit un jeûne en ces jours, il ne lui sera pas compté, car il n'aura pas été accompli au moment qui convient, et le jeûne accompli en ces jours n'est pas valide. Et les savants ont divergé concernant le jeûne des 3 jours de Tashriq. Et ce qui est authentique est qu'il est interdit de les jeûner et que cela n'est pas valide. Donc je vous ai dit qu'il y en a qui disaient que c'était juste répréhensible et détestable et non obligatoire, interdit. Sauf le pèlerin qui a accompli son pèlerinage sur le rite du tamattu ou du qiran, et qui ne dispose pas de bête à sacrifier, il lui est permis de jeûner ces 3 jours en raison du hadith qu'on a rapporté à ce sujet. C'est le seul cas où il jeûnera les 3 jours de Tashriq pour compenser le fait qu'il n'est pas
trouver de bête à sacrifier ou qu'il n'ait pas le moyen de sacrifier une bête. Dans ce cas, elle jeûnera 3 jours au Hajj pendant les jours de Tashriq et 7 jours quand il retournera chez lui auprès de sa famille. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.